Extrait du roman Au cœur de ma vie de Ghislaine Béala, publié par les éditions Eddie Livre en 2014 en France. Chapitre 1. Une journée de classe difficile. Aimer, amour, amant, amoureuse, cœur, petit cœur, mon ange. Ah, quel chant lexical! Malheureusement, celui-ci s'est toujours très vite transformé chez moi en des mots tels que détesté, cœur brisé, ex, étranger, guigne. La question que je me suis toujours posée est celle de savoir comment aimer, comment vivre une véritable histoire d'amour sans avoir à en arriver. Elle était là, toute pensive, perdue dans son monde cartésien, immobile, le regard figé sur un coin du tableau noir de la salle de classe. Marie! Marie! Marie Jolie à Teba! Elle se leva tout étourdie, comme réveillée d'un profond sommeil, de manière brusque. Présente, madame. Toute la classe se mit à rire et le vacarme était si fort qu'on aurait dit que les élèves ne faisaient que saisir cette occasion pour se détendre, car il y en avait même, précisément les élèves du fond de la classe communément appelée Shaba, qui tapaient des mains sur les bancs, créant ainsi une mélodie semblable à celle des Menzin au village. D'autres lançaient des rires spectaculaires, la bouche grandement ouverte, au point où on pouvait en apercevoir le fond d'où venaient les mélodies, les unes ne ressemblant à rien, les autres aux bêlements de moutons, d'autres encore aux cris des pygmées venus tout droit de la forêt de l'Est Cameroun. « Silence !» s'écria le professeur d'un air, regard, furieux, et farouche de prédateurs à l'affût d'une proie. En effet, M. Mimbang était professeur de mathématiques dans cette classe de terminale à 4 allemands. Mimbang en langue petit signifie « noyau ». Et donc les élèves, comme pseudonyme, avaient choisi de l'appeler par la signification de son nom en langue française. Et avec le temps, ces derniers avaient développé une sorte d'orientation perverse avec ce mot, de telle sorte que leur enseignant en avait eu vent et n'était pas fan de cette appellation. Il n'était d'ailleurs pas le seul enseignant à qui un second nom déplaisant était collé. Monsieur Mimbang était un homme qui faisait à peu près 1,90 m et qui était obligé de se courber pour pouvoir passer par l'unique porte qui donnait accès à son podium. Eh oui, en effet, ses heures de cours étaient un peu problématiques et généralement spectaculaires, car il était drôle et sévère à la fois. Comme illustration, il n'était pas permis de tousser à ses heures de cours sans l'en avoir prévenu, encore moins de rire. Mais la deuxième interdiction aurait été sans problème s'il n'était pas le provocateur de ses rires. Un jour, par exemple, il punit 10 élèves de cette classe parce qu'ils avaient ri à son entrée en classe. En fait, quelques élèves plaisantins de la terminale à 4 allemands avaient l'habitude d'afficher tous les lundis matins une liste comportant deux groupes d'élèves pour semer des polémiques. D'une part, les noms des élèves les plus propres de la classe et de l'autre de ceux se distinguant par leur manque d'hygiène corporelle. Alors, parmi les noms du deuxième groupe figurait celui du chef de classe, un personnage assez contesté par ses camarades à cause de sa rigueur, son intransigeance dans l'exercice de sa tâche et aussi parce qu'il aimait bien être au devant de la scène devant les enseignants, se passant pour le plus intelligent.
Une fois entré ce jour-là, M. Mimbang jeta un coup d'œil sur cette liste qu'il voyait affichée pour la toute première fois. Le dos tourné à ses élèves, il pouffa de rire. Et ces derniers devinèrent ce qui le mettait dans cet état. Une fois plus calme, il se retourna vers ceux-ci et dit d'un air sérieux, mélangé à de l'ironie. Je vois, mon cher chef de classe, que tu mérites vraiment ton poste. Tu es premier sur cette liste et tu es un bon exemple. Mes félicitations, Biwole. Biwole signifie biscuit en langue béti. Les élèves se lancèrent dans un rire inconsolable, les uns sifflant de part et d'autre de la salle de classe des paroles telles que « Oh oh, Biwole! Les biscuits! Hey, un paquet de biscuits là, s'il vous plaît! » Ou encore « Monsieur Biscuit! Le plus sale! » Ils n'avaient pas encore terminé leur rigolade lorsque M. Mimbang réagit tout irrité. « Ok, ça suffit !» Et, désignant certains élèves, il dit « Toi, toi là-bas au fond, Kenfak, Mimbo, Bilan, Stéphane, Eric, Anaba, Abdou, allez, dehors, allez voir le surveillant général et vous lui dites de donner à chacun de vous un billet d'exclusion de 8 jours avec corvée pour avoir offensé votre camarade. Hey, chef de classe, tu les accompagnes. Bien. Je demande un silence absolu. Marie-Jolie Atoba, que fait l'ordre de 1 ? Reprit M. Mimbang. L'ordre de 1. L'ordre de 1 fait 1. À cette réponse, le professeur lança un regard farouche vers les élèves, comme pour dire « Qui bronche le paye cher. » Alors comme ça, non seulement je suis devenue une dame, mais en plus, vous rêvez en plein cours de mathématiques, reprit-il. Cela fait 2 semaines, je dis bien 2, que nous avons introduit la leçon sur les logarithmes et fonctions exponentielles. Et cette propriété, vous ne l'avez toujours pas retenue. Mais dites-moi, quelles ont été vos notes aux premières et deuxièmes séquences? 12 et 10. Pas fameux. Puis, en déposant son morceau de craie sur la table, il ajouta « Bien, le cours étant terminé par votre faute, veuillez prendre ma place et moi je vais occuper la vôtre. Seulement, vous n'avez pas besoin de ma blouse, encore moins de ma craie. Vous allez juste nous faire partager ce rêve. Et sur ce, exécution !» ajouta-t-il d'une voix grave. Monsieur, je ne rêvais pas. Je réfléchissais, dit-elle en guise de prise de défense, une fois debout devant ses camarades de classe. Ah bon? Mais dans ce cas, mademoiselle Atoba, nous vous écoutons. Nous allons vous aider à trouver des solutions aux problèmes qui vous font réfléchir à mon cours. Et surtout, ne nous faites pas perdre patience. Il s'agit de problèmes personnels,
répliqua-t-elle, le visage baissé, tout en se tripotant les mains comme une enfant apeurée. Donc, vous interrompez mon cours. Vous nous privez de l'acheminement de notre programme parce que vous pensez à vos aventures de quartier avec des voyous. Et vous osez vous placer devant nous pour nous parler de problèmes personnels. Madame, les problèmes personnels, c'est à la maison. Lança l'enseignant en colère, généreux d'une gestuelle qui accentuait le ton qui accompagnait ses propos. Elle resta immobile en face de ses camarades qui avaient tous les yeux figés sur elle. Ils étaient près de 86 élèves et elle était si timide que la situation l'embarrassait davantage. Elle l'étouffait et n'avait qu'une seule envie, celle de se sortir de cette situation. Elle ne dit mot, espérant ainsi être libérée par son bourreau dans les secondes qui suivaient, lorsqu'il reprit soudain. Marie Jolie à te bas. Dommage que votre père vous ait donné un nom si charmant. À te bas. C'est le nom que portait mon grand-père. C'était un homme valeureux. Travailleur et respectable. Ah, je ne pense pas que vous le méritiez, madame. Et quant à vos prénoms là, Marie Jolie, je crois que vos parents auraient mieux fait de vous appeler Marie Nulie. Ou mieux, Marie Idiotie. Et ton cerveau, quant à lui, vaut log de 1 qui est égal à 0, madame. Et un conseil de parent. Évite de traîner avec des voyous. Là, tu seras plus concentré la prochaine fois à mon cours. Car je ne tolérerai plus un tel comportement à l'avenir, ni de toi, ni de quelque élève que ce soit. Est-ce que je me suis fait comprendre? À ces propos, les élèves se mirent à rire, mais cette fois, le rire semblait autorisé et libre. Se sentant ridicule et détestant cette impression, Marie prit tout son courage et, dans le vacarme, dit à vive voix: Vous avez peut-être raison, monsieur, mais une chose est sûre. Je suis fière du nom que mes parents m'ont donné. Moi aussi, et je ne traîne pas avec des délinquants. Vous semblez en avoir été un à vous en entendre parler. Raison pour laquelle je vais vous accorder le bénéfice du doute. Sur ces paroles, elle sortit en courant, les larmes au bout des yeux, laissant ainsi un silence sans pareil derrière elle, au point où l'on pouvait entendre le bruit d'une mouche en plein vol. Chacun se demandait s'il avait bien entendu. Marie venait-elle de traiter le professeur de maths d'ancien délinquant? Venait-elle réellement de lui tenir tête? Une telle chose ne s'était jamais produite, car c'est M. Mimbang qui humiliait toujours et jamais le contraire. Ils auraient pu rire, en effet. Seulement, un bruit de ce genre, en ce moment précis, aurait coûté très cher. Et ça, les élèves le savaient. M. Mimbang se leva de la place de Marie qu'il occupait et, prenant son matériel de cours, il dit Elle est courageuse, votre camarade de classe. Mais attention,
on ne tient pas tête à son enseignant. Surtout pas à Monsieur Mimban. Sa grande silhouette disparut sur ces mots, laissant ainsi des commentaires qui fusaient de partout. Ils allaient de bouche à oreille, de classe en classe. C'était Ghislaine Béala Djoufak pour Vocalis. À très bientôt pour un autre chapitre. Au revoir.